Bonjour à tous. Pour ce nouveau tuto, nous allons voir ce qu'on appelle l'effet retardating et enregistrer une animation. Pour cela, je vais prendre un personnage ici de Warwick, Aze. Voilà. Et on va lui attribuer une animation. Donc je l'agrandis un petit peu pour qu'on voit bien ce qui se passe. Voilà. Je viens dans ici animation, motion, ici humain. Alors c'est moi qui les ai reclassés, hein. Ils ne sont pas classés comme ça, mais ça c'est à vous de faire votre petit ménage à l'intérieur. Et je viens chercher dans les hommes side puisqu'il est de profil. Et on va mettre Gasping, ça veut dire je sais pas trop quoi. Voilà, voilà notre personnage. Alors vous voyez que là il n'est pas extraordinaire. Donc on va pouvoir faire beaucoup mieux, le sélectionner, on clique droit et on fait Motion Key Editor, vous connaissez un petit peu le système. Alors on va dire que ce bras ici doit être plus bas à la fin, voilà, celui-là on va le ramener comme ça, ici, voilà, la tête, on va l'incliner ici, de façon à ce qu'il regarde, ensuite on va travailler sur les sprites, bah, vous connaissez le système maintenant, on va fermer ici, on vient sur les sprites, donc cette main-ci, elle est mal, on va prendre une main, voilà, ça c'est pas mal, mais on va la faire tourner, donc je referme ici, je reviens sur mon Motion Key Editor, je prends ma main ici, et je la fais tourner, voilà, alors on peut faire ça, voilà, c'est exactement ça que je voulais. Donc je fais une petite sauvegarde. C'est le projet Aze. Basketter. Je sauvegarde. Et là je vais aussi lui mettre les yeux dans le bon sens. Donc je reviens sur mes sprites. Je vais revenir carrément sur ma première image. On voit que la tête est en arrière, mais ça on va arranger tout ça. Ma première image, face et les yeux dans le bon sens. Ici. Pareil pour l'autre œil. Voilà. Je viens peaufiner mon animation. De façon à ce qu'il ait la tête droite au départ. Voilà. Donc si je regarde mon animation là maintenant. Voilà, on a quelque chose de plus sympa. Alors bien sûr, il faut que j'enlève sur la timeline. Ici, on va sortir Motion et Sprite. Pour la main, normalement, on va la tirer en arrière, de façon à ce que... Voilà. Il est sa main bien placée dès le départ. Et là, c'est exactement ça qu'on voulait. prévenir. Là, il a une position qui est assez réaliste. Peut-être pas sur la main gauche. On peut faire mieux. Donc, on referme ici. Une petite sauvegarde. On n'est jamais trop prudent. Parce qu'il arrive que le programme me bug, hein, je ne vous le cache pas. Surtout sur ce genre de manipulation. Là, je vais mettre la main, une autre main. Celle-là, elle ne me plaît pas. Elle n'est pas très bien. Donc, on est sur cette main-là. Je pense qu'on peut faire mieux. Voilà. Là, on a quelque chose de très adapté. Très bien. Voilà donc notre personnage. Il faut que peut-être que je lui ramène la main en arrière s'il veut bien, sinon il va pas être content du tout. Voilà. Donc si je joue mon animation, ouais, c'est bien ça que je voulais. Ok. Maintenant nous allons voir l'effet retardating. Alors l'effet retardating sert à amplifier ou minimiser un mouvement. Donc pour l'atteindre, on clique droite, retardating setting, par exemple. Mais on l'a aussi de façon différente. Vous trouverez ça tranquillement tout seul. Retardating setting, voilà ce que... C'est retargeting, excusez-moi, c'est pas retardating, c'est retargeting. Là, vous avez plein de petits points bleus qu'on va pouvoir manipuler de façon à amplifier le mouvement ou le minimiser. Là, on a le mouvement tout à fait normal. Voilà. Maintenant, je peux lui décider d'amplifier son mouvement en venant jouer sur... Voilà. Là, j'amplifie son mouvement. Alors, bien sûr, tout ça colle plus, hein, bien évidemment. Vous voyez, là, il se baisse beaucoup plus. C'est ça que je veux. Et ça tombe bien parce que je voudrais vous montrer autre chose. Vous voyez que la main ici, elle n'est pas au bon endroit. Et je vais envoyer mon personnage. Alors c'est bien la main droite. Hein. Ici. Voilà. Et là, on va ouvrir le Layer Manager. Ah, mais il est déjà ouvert, hein, donc c'est bon. Layer Manager, c'est ici. Layer Manager, ça va nous permettre de faire passer un élément du corps devant un autre ou derrière, bien évidemment. Donc ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est la main, là, voilà. Donc la main, ben, je vais carrément la monter. Ici, on va dire, voilà, là. Et je reviens sur mon plan de travail. Donc vous voyez, là, c'est normal, hein. C'est logique qu'elle soit là. Donc on va retravailler le départ. Parce que je l'ai fait passer devant tout le corps en fait. Hein. J'aurais pu la faire passer que devant la jambe, mais je l'ai fait passer devant tout le corps. Donc, pour... Hop. On va lui déplacer l'épaule. Voilà, par exemple, ça c'est pas mal. Ce qui va nous donner le mouvement suivant. Et on va voir si ça colle. Hein. Voilà. Et là, on est mieux. Simplement, c'est la main qui est plus dans le bon sens, mais on est devant la jambe. C'est parfait, c'est ce que je veux. Donc, je vais ici. Hop là, quand il est là, changer la position de la main. Donc on revient sur nos sprites, ici, la main droite, voilà, c'est ça que je veux, hop là, et là, je vais venir la retourner, voilà. Donc vous voyez que là on va dans le détail bien évidemment. Ici, on va remettre la main que nous avons choisie au départ, c'est-à-dire celle-ci. Je la retrouve. Ça doit être ici. Je pense. Voilà. Donc, si je fais ça, dans l'absolu, voilà, là j'ai exactement ce que je veux. Donc voilà, j'ai réduit un petit peu l'écran pour qu'on voit mieux ce qui se passe. Je viens dans le collecte clip et je surligne mon animation. Ça, vous êtes habitué. Je reviens sur la première image et je fais Add to Action Menu et je l'appelle accroupi 2. 2 parce que j'en ai fait un autre avant. Voilà. Je sauvegarde. Donc ici, quand je clique sur mon action menu, vous voyez, j'ai bien mon accroupi 2 ici. Donc, j'efface les animations. Donc, il n'y a plus d'animation. Il est resté sur la position que je lui avais mis, mais ça, c'est pas très grave, très grave. Et je viens maintenant lui attribuer mon accroupi 2. Voilà. Voilà, mon animation, elle est nickel. D'accord. Maintenant, je clique ici. Je viens sur Animation ici. Motion. Là, vous avez le petit plus qui se met en place. Donc, vous cliquez sur plus. Et on va l'appeler accroupi 2. Accroupi 2. Voilà. Là, on a enregistré notre animation. Ce qui fait qu'ici, je vais fermer ma timeline. Je reviens sur ma première image. Je reviens dans Acteur ici. Caractère. G3. Warwick, j'ai un autre basketteur là, tiens, on va le mettre là donc, je mets mon autre basketteur ici. Je le mets à peu près de la même grandeur. Voilà. Et je vais chercher mon animation, ici, et je l'attribue à mon deuxième basketteur. Et voilà, on a exactement la même chose, sauf la main qu'il n'a pas voulu prendre et les yeux. Et ça, on va y revenir après, ça c'est pas très grave. Je flippe, donc le flip on l'a pas encore vu, mais c'est ça là-haut, ça veut dire on change de côté. Et qu'on joue l'animation. Voilà, ça peut être sympa. Donc après, il suffirait éventuellement, bien évidemment, de lui remettre dès le départ les yeux dans le bon sens. Voilà, enfin bon, je ne vais pas continuer à vous embêter avec tout cela. Voilà, l'idée c'est simplement, on a exactement le même mouvement qu'on va pouvoir mettre à n'importe qui. Et c'est quand même pas inintéressant. Voilà, c'est fini pour ce petit tuto et on va continuer dans les détails.